Hey, tu sais ce que c'est, du pain avec des feuilles dedans? Un kebab! Oh, hey, je tiens une de ces énergies là, je sens que j'ai la patate aujourd'hui. Ça va être une super bonne journée. J'espère que ça devient toujours avec une crème militaire, déjà que ça ne coupe pas les rues. Écoute, j'ai pas envie de me battre aux côtés de Florentine, hein, excuse-moi. Tu vois, c'est espèce de truc que t'achètes au super rue du coin. C'est jaune, c'est marron, c'est visqueux, ça tremblote comme ça, c'est tout moche là, t'es obligé de les retourner pour les manger dans ton assiette. Et c'est quoi le rapport avec les candidats? Justement, j'ai pas envie de les manger moi, les candidats. Oui, bah n'empêche que tu les bouffes les flambis. Bonjour, je m'appelle Stéphane Agarvalho. Bonjour Stéphane, ouais. Gare à vous. C'est pas drôle, hein. Ok Stéphane, commençons. Vous avez envoyé CV et je vous pose un peu une question, c'est pourquoi vous voulez nous rejoindre? Eh bien, c'est une amie qui m'a montré une de vos invitations. J'ai eu vos mots et non, vraiment, c'était avec exactitude que je ressentais, vraiment. Alors je me suis dit, finalement, pourquoi pas moi, hein, après tout, je peux toujours tenter ma chance. Ça mange pas de biscotte au beurre, hein, comme on dit. Pourquoi des biscottes au beurre? Parce que j'aime bien le beurre, voilà, Tu fais ça et je te les fais bouffer par les narines et après on regardera par où ça sert, d'accord? Ça va, ça va. Merci. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'étais de très bonne humeur ce matin, et là maintenant j'ai hâte de te péter la gueule. J'ai rien fait. Pensez-vous nous apporter quoi? Complètement. Eh bien, moi je peux me dire que je suis quelqu'un de très courageux et de vraiment très intelligent. Être trop prétentieux, bien sûr. J'aime tout ce qui est en rapport avec la littérature et les proverbes d'expression, bien sûr. Ça m'a l'air génial ici. Et puis si je ne sais pas me battre, c'est pas le leçon à vous dévorer ici. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Il y a trois convenants sur ta liste. C'est pas vrai, c'est bon. C'est t'as peut-être raison. De toute façon, je peux pas te payer le luxe de refuser. Je fais ce que je veux, femme, tais-toi. T'es venu pourquoi? Moi, je suis venu te chercher parce qu'il y a l'agence touriste à la télé. Ok, j'arrive. J'ai pas envie de rater un seul épisode en ce moment. Sinon, en fait, tu comptes financer comment ta résistance? Parce que si tu veux des couettes, j'en ai plein, je peux en vendre. Tes couettes, elles suffiront pas, ma belle. Il nous faut beaucoup plus d'argent. Quelqu'un parlait d'argent? Vous êtes qui, vous? Mon prénom est Riche. Comment ça? Il est Riche, votre prénom? Ah non. Riche, c'est mon prénom. Rien à voir avec l'adjectif? Ah non. Bah, si vous avez pas d'argent, vous m'intéressez pas. Au revoir. Si. Donc vous êtes Riche? Ah oui, bien plutôt. Bah faites pas comme si vous ne l'étiez pas! Ah! C'est pas possible! D'accord. En tout cas, vous savez bien préparer vos entrées. Ah non, mais. Tu sais que c'est fou ça. J'ai rien préparé du tout. Je venais pour ce que je cherchais, les toilettes. Ouais, à gauche, monsieur. Merci beaucoup. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai des millions à investir. Attendez, je vous propose un truc. Vous allez investir sur l'avenir. Ah, dans ce cas-là, on peut s'entendre. Un investissement dans un fond de couette? Mais t'es sérieux, tu pouvais pas lui dire la vérité? Bah non. Et il va dire quoi quand il va se pointer aux réunions et que vous allez parler d'égorger des aliens? Qui veut égorger des aliens? Toi? Non, je veux pas les égorger les aliens. Je veux juste qu'ils rentrent chez eux en forme de grands coups de pied dans le cul, dans leur monde en ruine, à eux, c'est tout. Ouais, enfin, égorger les gens c'est toujours utile. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas raté l'épisode de l'agence touriste par hasard.